Bonjour à toutes et à tous, ici Rekai et je vous retrouve sur EU4 où je suis en train de jouer la Moscovie. Voir que la Hongrie est en train de se faire bouffer. Triste à voir. L'amélioration, au pire, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais essayer de demander. Ah, d'être mon. La salle, toi? Et pas en février, l'autre, je l'intègre. Ouzbek est fini. Avec Afghanistan et toutes ces merdes, ok, c'est bien. Je vais jusque là-bas à cause de... Ah! Ouh! J'ai besoin de taper sur des gens? Taper sur l'Ottoman? Faites-vous plaisir, les gens! Faites-vous plaisir! Et votre ottoman seulement. Ottoman de Halab. Ah bah tiens toi. Et ça valait bien le coup de me mettre en rival hein. Bon, pour aller par ici. Vous êtes où? Où? Tu es où? Ici. Ah bah c'est pas grave, la Lituanie, regardez ça. Un petit cadavre. Elle a 11 000 hommes, la Lituanie. Elle est en pièces. L'autre là, j'ai l'ennemi que c'est militaire. Façon du président prussien, je m'en fous un peu. Hein. Que ce soit X ou Y qui gouverne ce pays. Et elle va se faire bolosser. Manger. Ah, moi ça. Ah. La France, ils sont comment? Naples. Venise. J'aime pas l'Autrichien, apparemment, non? Après, le pire avec la Hongrie, c'est que si c'est de casser la gueule, ce que je fais, c'est que ben je la vassalise. La République prussienne. Bim! Stack wipe! Ah, ils sont là! Ils sont arrivés! Regardez ça, c'est mignon! Vilnius, j'ai pas fait gaffe là-bas. Fin de la journée des comptes de tir, ça c'est dommage. Les comptes de tir. Faut que je massacre l'armée de Kazan. Est-ce que tu vas libérer? Est-ce que tu vas aider ton poste qui s'est massacré ou tu vas libérer ta capitale? Rien ni l'autre. Massacrer en voulant libérer ta capitale. Sans avoir réussi à libérer, c'est le plus important. Hop, on va choper ça. L'occuper. Lituanie. Oh, putain. Okay. Prise, regardez-moi l'état du pays, c'est moche! Je lui mets dans la gueule, la Lituanie. Oh, oh, oh. Et ça à la Livonie, évidemment. Et quand j'aurai fait ça à la Livonie, j'intégrerai la Livonie pépère. Ça fera un vassal en plus. Intégré. Religion en Bourgogne. Ah, c'est con ça pour l'empereur! Donc l'empereur lui ne peut pas choisir de religion à moins de risquer de perdre le titre impérial. Faut oublier ça. Allez, écoute-moi si j'ai 15 ans entièrement. J'ai pris Yarkand. Yarkand. Donc Kazan, fin la traite avec Ulm. C'est vrai que la super puissance de Ulm est une menace pour la paix mondiale. J'ai jamais ça. Bon, Ulm est une menace pour la paix du monde. Ulm doit être détruit. Hein. Et c'est ce coup. Quoi? Pandev. Ah, poche. Alors, allez, tu as niché, explique un truc.
Là, ça va être pour la Prusse. Là, ça va être pour la Pony. Pony. I. I. Recevoir tout ça. La Prusse. De Tracaille. Plus intéressant. C'est pas le meilleur, mais bon, j'ai vu pire. Allez! J'ai déjà donné tout ça, hop. Mental, déjà que je peux passer. État et religion. En cuité administrative, ça c'est intéressant, moins de 10%. Les préjugés du clergé, ça me. Passer en tech 10. On va prendre une doctrine économique. On va prendre une doctrine commerce. On va prendre une doctrine. Cas de intégrer influence. Tellement utile l'influence. Une avance militaire. Donc je peux prendre celle-ci. Tiens, voilà. Bien la prochaine fois. Comme mission, on peut faire. Conquérir la Ruthénie. On va développer Kiev. Le commerce. M'intéresse le plus. Qu'est-ce qu'on va faire? La soin d'urgence. Où est-ce qu'on articule? Pas fonder la Russie parce que je suis en guerre. Bon, la Pologne, j'ai tout un truc. Normalement, j'ai reçu un tas de... voilà, j'ai reçu tout un tas de revendications. Voilà, regardez ça, c'est beau, non? Déclarer la guerre à la Pologne. Non, on va prendre Belz. Le Belz de la Pologne. Pardon, c'est facile. Faire un gros assaut prussien. On va intégrer tout ça. D'ailleurs, dans l'émission. Partition de la Pologne. Ça donne quoi? Ça donne que j'accepte les cultures tchèques, polonaises. Intéressant ça. Et c'est les Carpates. Et on fera en sorte que la. Donc on va faire en sorte que j'intègre diplomatiquement la Hongrie. On fera une autre guerre contre l'Ottoman ou se faire casser la gueule. On va se faire, c'est très simple. On la fera en sorte qu'elle se casse la gueule. Elle sera fait défoncer. La Hongrie, on va gentiment la bouffer. On va casser la gueule. On la déploie. Ça, elle fera tampon, elle cramera son MP. Et puis plus tard, s'il le faut, la refilera. Moins 30 à cause du rang. Ah, parce que je suis pas à côté. Et t'es encore trop grosse. T'as combien de dev, toi, la Hongrie? On va savoir le dev de la Hongrie. Regardez. Pays. Non, économie. Hongrie. Bah, c'est là le dev. Je vis juste 167. La Hongrie. 110 de dev. Ah merde, c'est con. Il aurait fallu qu'une ou deux provinces de plus soient perdues. C'est pas grave. On fera pour moi une prochaine fois. Faire revenir. On va faire une guerre avant 1538. Ah, c'est chiant ça. Va bien surveiller ce qui se passe ici. La Pologne peut encore être en élevé en acide de guerre. Et prends la Pologne, c'est possible ça? Acide de Kazan.
Entendu. Au fond de la Sibérie, c'est glandu. Un petit peu trop crazy, c'est un peu con de ma part. Allez. Oh. Ah, moi, j'aurais encore les voir. Dans mon pays. Là, on massacre. Besoin d'argent. On va convertir une province en plus. Ovsk. Tout au moment, il est en train de gagner le Mamelouk, mais bon, il a quand même des objectifs de guerre, mais ça se passe pas bien pour lui. Maroc. Il n'est plus allié que le. C'est que le. Il n'a pas vu de la guerre alors contre le Mamelouk. Il a raté le Maroc. Eh, je serais le Maroc, je mettrais 2-3 troupes autour de Tunis, et faire la guerre à Tunis pendant que je suis déjà en guerre tout le monde. La Tunis peut pas, est tout seul, et pas sauvé. Bon alors là on va faire un truc très simple. Prépare la Prusse. Prusse. Les raisins à Pologne, c'est tri. La coalition contre moi, inquiétant. Il y a deux dans la coalition. Plus l'Autriche. L'Autriche, c'est un truc très simple. Test les burnes. On va y avoir ici, là, je sais pas, une perte de province. 47. 47, il peut se faire casser la gueule. Il y a plein de gens qui me détestent par contre ici. Ah, racisme, bon, on va pas tarder. On déclare la guerre à l'Autriche. Prendre. Paco. Et le but sera déjà de virer toutes les petites pertes du Serge. Oh. Paco, c'est. Prendre Landsberg. Facile à tenir. Bon, priorité. En guerre contre plusieurs petites merdes. Bon, que du Serge. Ah, hop. Il ne veut pas juste demander la paix, ce con de 15 ans. Peut-être non, c'est avec Chagatai aussi. Avec ça. Je prends du fric. 14 pièces d'or, super. Pauvre Ducat à la Ronde-le qui servent à rien. Coalition, mais bon, c'est pas grave. La coalition maintenant, bah, elle peut apparaître. On fera juste calmer tout ce beau monde. Dans 10 ans, calmer. Il a fait de remonter une relation avec ces abrutis. Vénitiens notamment. L'Espagne était formée, vous avez vu? L'Aragon est intégré. Rotenbourg, Rügen. Vous êtes toujours alliés. Alliés, c'est toujours les Stures qui dirigent.
par ici. Il y a une forteresse ici, il y a une forteresse en Anhalt. On passe par les rebelles, d'accord. Là par contre, faut qu'on casse la gueule à des rebelles. Caracolou veut venir? Bah, viens t'amuser mon gars. T'as que ça à foutre que vouloir taper sur l'Autrichien. Il y a quelques hommes derrière. Voir maintenir l'ordre au cas d'une révolte. Eh bien, voilà pourquoi est-ce que je vais pas tout envoyer sur le front. 100K! Un peu beaucoup, je trouve. On va faire juste taper l'Autriche parce que l'Autriche va devenir un peu trop dangereuse. Ces petits pions là. En tout cas, c'est mignon la 30, je sais pas combien est-ce qu'il y a de troupes là, mais regardez. Eh, 32 000, s'il est 3 000, Salzbourg. Eh, je regarde, je fais le total. Des petites merdes. 8, 21, 25, 26, 28. C'est quand même 28K hein, de troupes, hein, ces petites merdes. Tout l'intérêt de les dégager assez vite. Elle marque collisée contre moi, c'est pas grave. Regarde là, quand on les sortira, on prendra rien. On va juste se contenter de prendre leur fric et de la guerre. Inflation ou intérêt? 1,45, intérêt. Baissons l'inflation. Je vais voir les lords de Kiev. Marienburg. Donne. Défense locale. Néanmoins. Et en plus, pas dégueu. Et niveau tech. Je vais accumuler le fric. Je vais garder le fric pour passer les doctrines. Le sud, je vais laisser s'amuser. Hein, je veux dire, venez, hein, vous venir piller mes vassaux si ça vous amuse. Hein. Moi, je vais tranquillement. Bah, laissez faire. Et là, bien sûr, je suis en train de finir l'autre con. Ah, oh, mais non, mais il se barre dans l'autre sens. Mais qu'est-ce qui est débile? T'as quoi? Mais nique ta maman. C'est mon armée de mercenaires ou c'est mon armée principale qui vient se faire stacoiper? C'est mon armée principale? D'accord. Ah ouais! Juste pour voir. Pierre. Longueur de front, 25. D'accord. Ah ouais. Voilà, on va faire une armée tranquille, PPR. Et je trouve ces petites merdes pour les dégager. C'est beaucoup lui théoriquement. Hein. Alors, la Suède, tu veux pas venir m'aider? Quoi? T'es endetté, mais putain, mais tu sers à quoi la Suède? T'as fait aucune guerre depuis le début de ce putain de jeu là. Depuis 15 ans, tu fous rien. Oh, les prix de la fourrure qui augmentent, oui! Les fourrures qui augmentent! Au prochain mois. 19,96, voilà, plus 3 thunes grâce justement au fait que les gens adorent la fourrure, notamment celle de Castor.
prend le shoot. Pour un petit merde à virer. Hein. Allez, besoin de combien toi pour venir à la guerre? Appel aux armes. 342 dettes. En guerre maintenant, voilà. Au lieu de ta dette. Bah, viens te rendre utile la Suède. Oh! La Saxe en guerre contre l'Autriche, comment ça se fait? Viens répondre à Thuringe. Oh, oh, oh. Fa faire la paix, toi, mon petit? Eh bien, pas ma foi, si en plus on peut avoir quelques pays en plus qui rentrent dans une guerre, je veux dire, si l'Autriche peut être à la fois en guerre contre moi, contre 2-3 petites merdes, Max Magdebourg et Stettin, c'est pas grand chose, et bon, c'est toujours peut-être 9-10 000 hommes qui vont l'emmerder. C'est comme les guêpes en été, c'est pas grand chose, et bon, ça tourne autour, c'est chiant. Du bruit. Garantie la Savoie, putain, la gueule de la Savoie. Bonne qui est plus empereur, c'est triste. Quand finit ça, je m'occupe de 30. Il se casse les dents contre la Prusse. Hein. Alors, Selgé. Chili. Boy. Alors, Silly, je t'explique un truc. Demandez la paix. Demandez par contre plus que... la religion prends ton pognon et voilà dégage un de moins et la Suède qui rapplique ça va être beau ça et d'autres on peut dégager par prendre par les cons là ils sont protégés par le fort de Carinthie hein. Tout l'argent a été à nouveau investi, j'ai pensé. Bon, amélioration avec qui? Lübeck, amélioration avec Lübeck, amélioration avec la Saxe. La Saxe était en guerre contre elle d'ailleurs. Bon, je ne refilerai pas la Hongrie, évidemment, bien sûr que non. La Hongrie, je veux qu'elle s'épuise. Paresse. Bon. Pour moi, on va se tirer. Bon, isolé, mais pourquoi tu veux venir ici, mon con? Tirez-vous. J'ai perdu mon Kesbili contre le Mazan d'Eran, c'est vrai! C'est la gueule, là, c'est beau ça! Là, on va faire massacrer. PP. Et prévisible. On va laisser attendre. Bon, on réunit tout le monde. 37 000 hommes. On va réunir. Là, les deux pays, hein. Augsbourg, Mayence. Bonne, vassal de. Bonne, c'est. Ah non, c'est ville libre. Gratis, bonne, c'est. Ah, il s'est passé dans la coalition, c'est vrai, j'ai oublié celle-là.
Salzbourg, Thuringe 30, donc déjà. 30, faire virer la Thuringe déjà. Les prix viennent, bon, super. Salzbourg, on s'occupe de Salzbourg. Allez, la grosse armée là. Tac. Le ski. Allez, on part vers l'ouest. Dans la guerre, donc la Augsbourg. Tapez l'armée là. Les dégâts. Et il y a 24 canons là, ça va être un massacre le machin. Heureusement qu'il y a la Suède qui réplique, hein, et qui fait diversion. Il est un peu con, hein, à pas comprendre qu'il faut rester stacké, tenir les alliés plutôt que de faire des trucs indépendants. Mais bon. Il y a au bout d'un moment, elle est con. Qui va gagner ici? Ouais. Tirer. Ouh! Boum! Là, on va empêcher la perte de la ville. Empêcher du bagaille. Rempli. Irem. C'est pas grave. On va attendre un petit peu. Hein. Là, ils sont tous là. Ça me fait chier. J'ai mal joué. Encore une fois. Je peux le dire. Hein. J'ai mal joué. J'ai perdu une armée de Mercos. J'ai perdu. Ah, par contre, c'est un groupe de janissaires qui se rebellent et qui sont pas contents du tout. Et on va renvoyer deux armées. On ne verra jamais Vienne, c'est évident. Ah, par contre, a bouffé la Saxe et est devenue indépendante. Ça, c'est. On va traiter les kebabs. Bourg. 35 ducats, c'est pas grand chose. Hein. Tenter un coup. Tenter un coup. J'y arrive. Ça marche. Alors je sais qu'il n'y a pas beaucoup de chance, mais. Ah, c'est ce perme. Perme à casse-couille, ces mecs-là. Bon, là, bien sûr, il peut. Il peut accéder à la mer, donc ils peuvent faire du Vienne, évidemment. Le géant est mort, aïe. Ramenez-vous. On prend un conseiller. Les impôts. Non. Inquisiteur. Bon. Avec un grand inquisiteur. Pourrief. Est-ce que là on peut mettre un petit coup de canon pour péter cette muraille? C'est parti de Kiev. Putain. Je massacre quatre coins du pays là. Autant jouer la question contre moi. Aïe, ça craint. Il faut casser vite l'Autriche et le reste à quoi. Moindre lance chute. Rentre dans Vienne. On doit venir au Salzbourg, faut qu'on casse Salzbourg, Augsbourg. Ces petits pays à la con de la guerre.
Perrin, je sais qu'elle va faire. En général, on leur prend une forteresse, ça suffit. Hein. On prend une forteresse là, une là. D'ailleurs, toi, le Mayence, vu que t'es en partie occupé, tu veux pas te tirer, non? Regarde la guerre, il y a Mayence, Salzbourg qui sont déjà en train de gueuler. Il y a 30 aussi. Ouais, descend... Ben non, il y a la forteresse d'Intal. Ah, Mayence, on la paix. Au fric, ton pognon, ta religion, ta foi. Pays orthodoxe. J'aime bien le fait que c'est un pays orthodoxe. Hein. Oui, il était vaincu, donc il prend la vraie foi. Hein. Ma foi. Vous voulez pas juste péter mes rebelles et occuper la province, s'il vous plaît, là-haut? Bon, je dis ça, moi ça me plairait. Hein. Compagnie pour beaucoup de mercenaires, la compagnie indépendante. Et... Ça d'ailleurs. Salzbourg. Sauvé. C'est parti de Voligny. Bah c'est parfait. Ah! L'Ottoman envahit l'Abkhazie. Ah c'est chiant ça. Bâtard. Non bah on va attendre que l'Ottoman, c'est tout. On va faire, c'est qu'on va juste faire tomber rapidement l'Autriche. Une fois qu'on fait tomber l'Autriche, et bam. Ça, je ne savais pas du tout au petit coup dans le dos là. Backstab là. Et je continue à faire la prochaine fois. Moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye bye tout le monde.